Salut, c'est Superbill. Aujourd'hui, je teste une Schecter Sun Valley Super Shredder. J'ai donc avec moi aujourd'hui une Schecter Sun Valley Super Shredder. Voilà donc une guitare de forme Super Strat, comme vous pouvez le voir, une guitare très moderne. C'est la première fois sur cette chaîne que je teste une guitare si moderne. Mais franchement, je trouve ça super cool. Ça me permet de jouer autre chose, d'écouter autre chose aussi, pour préparer les vidéos évidemment. Et du coup, je trouve ça super cool. Et en plus, j'ai été assez étonné, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer sur cette guitare. Et pas seulement du métal. J'ai joué aussi un peu, vous verrez dans la démo, des choses beaucoup plus clean et crunch, plus standard, traditionnel. Et franchement, étonnamment, j'ai trouvé que ça marchait pas trop mal. Voilà, donc vous verrez dans la vidéo tout à l'heure, mais voilà, je vous spoil un peu, mais franchement, j'ai été assez étonné, quoi. Au niveau des caractéristiques de la guitare, on retrouve donc un format Super Strat, classique, avec deux pans coupés, un manche vissé en érable avec une touche en palissandre, 24 frettes jumbo et un radius de 14 pouces. Voilà, tout à fait normal pour une guitare moderne qui s'appelle Super Shredder. On retrouve un hardware complètement noir avec un Floyd Rose, voilà, donc très facile à régler comme tous les Floyd Rose. Non, je plaisante évidemment, bon voilà, c'est pas évident à régler, c'est un petit peu long, mais par contre c'est vrai que ça tient parfaitement l'accord, on peut faire absolument ce qu'on veut avec, c'est assez extraordinaire, ça tient l'accord en toutes circonstances. On retrouve donc aussi deux micros EMG Retroactive Hot 70. Qui sont couplés avec un volume pour chaque, tout simplement, pas de tone, et un switch 3 positions, donc manche, chevalet et la position intermédiaire qui regroupe les deux micros. Voilà, donc c'est une guitare qui est fabriquée en Indonésie, et très franchement, il n'y a absolument rien à dire. C'est très bien fait, très bien présenté, je remarque pas de défaut majeur sur la guitare. Franchement, et puis vraiment, comme toute guitare de ce type, hein, c'est très facile à jouer. C'est vraiment le manche, une autoroute, hein, comme on dit. Voilà, et puis les micros EMG, je les ai pas trouvés si modernes, si... Bon, ils le sont évidemment, hein, c'est des micros actifs, donc ils sont forcément très modernes, mais j'ai trouvé qu'ils gardaient beaucoup de dynamique, qu'on pouvait faire des choses très clean, très jolies. Bah, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, vous verrez dans la démo tout de suite. Mais franchement, vraiment, je suis assez étonné, quoi. Et puis en termes de confort, bah, ce manche en érable satiné, en format SIN C, donc voilà, c'est pas trop fin, habituellement je trouve qu'il y a des manches vraiment très très fins sur ce type de guitare. Là c'est pas le cas, on l'a bien en main, en tout cas moi j'ai trouvé ça parfait en termes de confort. Donc voilà, pour cette Schecter Sun Valley Super Shredder. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la brancher, je l'ai branché dans mon Trainer YGL3, avec différentes pédales, je vous indiquerai ça sur la vidéo directement. Et puis on se retrouve tout de suite après pour mon verdict, même si je vous ai déjà un petit peu spoilé. A tout de suite. Thank you.
Voilà donc pour cette Schecter Sun Valley Super Shredder. Donc franchement, encore une fois, je vous le dis, je suis assez étonné d'avoir pris autant de plaisir à jouer sur cette guitare. Je m'attendais à quelque chose de très froid, voilà, sans trop de caractère. Bon, ça a évidemment beaucoup moins de caractère qu'une Strat traditionnelle, évidemment. Mais franchement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose, au-delà du confort qui est extrême. Vraiment, j'ai trouvé que même les micros avaient quelque chose d'un peu rétro, finalement. Voilà, c'est assez étonnant, mais c'est vrai. Du coup, j'ai trouvé, voilà, assez dynamique, assez rond, très chaleureux, et franchement, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, voilà, c'est une guitare qui est très facile à jouer, ce nom chatiné, c'est très habituel aujourd'hui, hein, mais très facile, la forme C est parfaite. Voilà, et puis encore une fois, c'est bien fini. Il y a différentes finitions. Hein. Celle-ci, donc, c'est Lambo Orange, ils ont appelé ça. Voilà, mais il y a différentes finitions, pour aller voir sur leur site directement. Voilà, donc, pour cette Schecter Sun Valley. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part que si vous cherchez une guitare très moderne, pour, voilà, si vous êtes un shredder né, ben franchement, dans ce budget-là, c'est top, vraiment. Encore une fois, je suis pas un expert de ce style, mais franchement, je suis vraiment étonné. C'est superbement bien fait. Il n'y a pas franchement besoin d'aller chercher beaucoup plus loin pour une guitare qui est facile à jouer et qui finalement pourra faire un petit peu de tout. On évitera évidemment de faire du jazz parce que vous l'avez vu, mais on clean, ça crunch assez rapidement du fait des micros actifs. Mais franchement, c'est relativement polyvalent pour ce type de guitare. Voilà, je suis assez étonné, encore une fois. Je tenais à remercier encore une fois chaleureusement Sonowest pour le prêt de la guitare. C'est eux qui me prêtent tout le matériel neuf que je vous présente. Donc voilà, merci à eux, je suis très content de travailler avec eux, c'est très très agréable. Et donc n'hésitez pas, si vous avez besoin et envie d'acheter une guitare ou d'en essayer, et même d'essayer ce modèle, hein, n'hésitez pas à aller directement en magasin chez Sonowest à Rennes, ou aller visiter leur site internet, vous pouvez aussi faire des commandes en ligne, voilà, n'hésitez pas à les contacter, ils sont adorables en plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Et si la musique vous a plu, n'hésitez pas à aller visiter mon site internet qui s'appelle sleeperbill.com et à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est assez important. Notamment Instagram, et le nom s'affiche juste là. C'était Sleeper Bill en partenariat avec Sonowest. Un grand merci à tous de m'avoir suivi, et à très bientôt.